Salut, salut tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Normalement, aujourd'hui, j'avais pas prévu de faire de vidéo parce qu'actuellement, je suis pas trop bien. Voilà, c'est pour des raisons personnelles, mais ça va passer. Voilà, après, ça commence à aller, c'est pourquoi je suis venu vous faire cette vidéo-là. En fait, j'aimerais bien réagir sur l'affaire Crépin Diatta. Voilà, et malheureusement, il y a un de nos artistes, surtout coupé décalé, qui s'est immiscé dans l'affaire et malheureusement, c'est en train de mal tourner pour ce dernier-là. Et il serait vraiment opportun que je dise un petit mot sur l'affaire et sur la situation. Voilà. Je ne viens pas faire cette vidéo-là d'abord pour envenimer la situation, ça c'est le premier point. Ou venir prendre la décision, la défense de quiconque. Non. J'aimerais simplement que vous preniez la peine de vous asseoir dans votre fauteuil où que vous soyez et vous écoutez attentivement tous mes propos dans cette vidéo. On va se prendre juste après le générique pour commencer le débat. À tout à l'heure, les amis. Il en fait pour nous, on le fera pour vous. Car dans la vie, mon présent, c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? C'est progrès, à la base. Je procède à des firmes. Je veux bien qu'on parle de l'affaire Crépin Diatta. Je veux vraiment, vraiment bien ça. Mais j'aimerais que vous n'oubliez pas d'aller et de continuer à découvrir cet artiste-là pour qui je me bats. Pour ces artistes-là pour lesquels je me bats. Wangeli et Princesse Rima. Actuellement, vous êtes à 481 abonnés. Il vous reste seulement que 19. 19 petits abonnés pour atteindre les 500 abonnés demandés par Princesse Rima pour qu'elle vous balance téléphone. Je vous en prie, donnez-lui de la force. C'est vrai que je me suis absenté quelques jours, mais donnez-lui de la force. Je vous en prie. Voilà, je sais compter sur vous et je compte toujours sur vous parce que c'est vous qui me faites en fait. Voilà. Le lien de Princesse Rima en description, le lien de Wangeli en description. Ce sont des bosseurs. Allez regarder ce qu'ils font, allez découvrir leur musique et abonnez-vous en masse. C'est tout ce que je vous demande. Cependant, on rentre maintenant dans le vif du sujet. La Coupe d'Afrique a commencé et il y a le Sénégal qui est de la partie. Et on va dire pour révélation, le Sénégal a un très, je dirais bien vraiment un super bon joueur du nom de Crépin Diatta. Mais malheureusement, qui a fait l'objet de railleries par ses propres frères noirs africains, que je dirais en parenthèse, qui n'arrivent même pas à se nourrir pour certains, et pour d'autres qui sont en train de se faire un nom. Tout le monde s'est moqué de lui. Dieu merci, le pauvre héritier que je me suis mis en marge de cela. Mais quel est le but de ma vidéo? Le but de ma vidéo est d'appeler d'abord à l'apaisement de tous les frustrés. Je veux parler des fans de Crépin Diatta, je veux parler de la communauté sénégalaise, je veux parler de la population sénégalaise résidente au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Parce que c'est vrai, on sait que depuis plus d'une dizaine d'années sur les réseaux sociaux, la Côte d'Ivoire est la nation numéro une en matière de moquerie. Et j'en suis pas fier, bien au contraire, j'en ai vraiment, vraiment honte. Cependant, je vous demande pas de tolérer cela, mais je viens plus précisément de parler, je viens précisément vous parler de deux personnes, Crépin Diatta et Serge Beno. Serge Beno, qui est un artiste coupé décalé que beaucoup des Sénégalais aiment, parce qu'il a beaucoup de fans là-bas. Et Crépin Diatta, qui s'est révélé dans la CAN et qui a eu beaucoup de fans aussi du côté de la Côte d'Ivoire. Lorsque cette campagne de dénigrement a commencé à l'endroit du pauvre, du jeune Crépin Diatta, très talentueux dans son domaine, c'est-à-dire dans le domaine footballistique. Beaucoup de personnes se sont moquées en commentaire et tout ça. Et il y a des pages qui ont ce malin plaisir-là de souvent mettre la photo de certaines personnes pour simplement voir les abonnés descendre cette personne-là, laminer cette personne-là, blesser cette personne-là, frustrer cette personne-là. Mais Dieu vous voit, les amis. Hein? Dieu vous voit. On est ici pas, on pense que on peut se permettre de faire tout, de dire tout. Mais Dieu vous voit. Avant que j'essaie même de m'adresser à la communauté sénégalaise, voilà ce que je vais dire concernant Serge Beno. Moi, j'ai compris Serge Beno. Il a ses manières à lui de s'amuser qui sont souvent pas catholiques. Mais je peux vous rassurer. Je peux vous rassurer. Moi, je lis entre les lignes. Je lis entre les lignes des posts de Serge Beno. Je sais qu'il a simplement voulu rire de la situation, en fait. Mais il n'avait pas l'intention. Vraiment, moi je pense hein, de se moquer de ce dernier-là. Bien vrai qu'il a mal fait de faire ce poste-là. Où il dit
La beauté, un danseur. Je dirais pas qu'on connaît pour sa laideur, mais pour ses grimaces. Pour se rendre vilain. Parce que moi, je trouve même que la beauté n'est pas un vilain garçon. Voilà. C'est juste que dans ses chorégraphies, il fait des grimaces qui le rendent un peu bizarre. Voilà. Donc, perso, faut que ce soit clair dans l'antenne. Pour moi, la beauté n'est pas un vilain garçon. Donc, le poste de Serge Meunault est à dos volé. Serait-il en train de se moquer de la beauté? Ou serait-il en train de se moquer de la beauté et de Crispin Diatta? La question reste posée. Mais moi, si je fais cette vidéo, c'est d'abord pour dire à tous les internautes que Serge Bineau, c'est un gros moqueur, on sait. En Côte d'Ivoire, ici, nous, on appelle ça attachement. De tous les artistes, on a vu un peu, il n'a jamais perdu. En tout cas, se moquer sur les réseaux sociaux, Serge Bineau est super fort dedans. Mais je dis, ça reste rien de méchant. Mais je vais dire simplement aussi ce qui ne m'a pas plu jusqu'à actuellement. Parce que je me dis, quand tu fais une erreur que tu ne pensais pas devenir une erreur, la seule chose que tu peux faire pour calmer le jeu, pour que les gens oublient ça le plus rapidement possible, même si ça va rester dans les esprits, c'est de faire un post pour t'excuser ou de faire une petite vidéo pour t'excuser. C'est tout ce que les hommes attendent. Mais là, dans ton fort intérieur, en toi et Dieu, si tu sais que ce n'était pas dans l'intention de te moquer de lui, tu seras en paix en fait. Mais au lieu de vouloir te justifier, franchement, ça, je pense que c'est un de tes défauts lorsque tu es en train de titiller tes amis ou bien Insta. Moi, je te parle directement et gentiment de cette manière-là pour te faire comprendre que moi, j'ai rien contre toi. Moi, je sais qu'au fond, c'est rien de méchant. Mais les gens l'ont interprété autrement. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'excuser et avancer. Parce que c'est pas joli. Regarde, sous le truc, sous ce poste-là, tu as lu un peu les commentaires. 80% des commentaires étaient négatifs. C'est pour dire que tu as mal joué. Comme on dit, tu as fait une mauvaise blague. Une blague amère. Tout ce que tu as fait, c'est de t'excuser et puis on avance. Bien vrai que tu n'as pas dit dans ton poste que Crispin Diatta était vilain. Mais quand nous tous, on sait que on aime se moquer souvent de trucs, la beauté, pour ses grimaces qu'il fait, comme quoi c'est l'un des plus vilains danseurs de la Côte d'Ivoire. Là, c'est un griffin, hein? Ça c'est juste pour le taquiner, c'est juste pour le titiller. Et tu le compares à Crispin Diatta, qui moi-même, j'observe, je regarde, je vois pas un peu sa laideur. Hein? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est vilain? Parce que moi, j'ai une philosophie. Vous savez pourquoi je me sens superbement beau et je me fais pleinement confiance? C'est parce que il y a quelqu'un qui m'a créé, il s'appelle Dieu. Et il ne fait jamais rien en vilain, il ne fait jamais rien de trop, il fait tout. Et de manière parfaite, parce que lui-même, il est de la perfection. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, je me sens beau, je me sens roi où je suis. Dans mon esprit, je suis roi. Dans mon physique, je suis le plus beau. Donc, quitte à croire aux autres que je suis le plus vilain, mais je sais que je suis plus beau que quelqu'un. Quelqu'un est plus beau que quelqu'un. Quelqu'un est plus. J'espère, vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Pour dire simplement que personne n'est laid, personne n'est vilain. C'est juste une question d'appréciation parce que la beauté même, elle est relative. Une fille peut faire tourner la tête de plusieurs mecs et puis produire aucun effet chez d'autres mecs. Est-ce que ça dit qu'elle est vilaine? Est-ce que ça dit qu'elle n'est pas belle? Il faut souvent voir la vie comme ça en fait. Au lieu de passer votre temps à vous moquer, essayez de vous mirer, essayez de vous filmer et puis regardez le résultat. Parce que autant vous vous estimez super beau, il y a non de plus beau que vous. Donc logiquement, les railleries sur la beauté ne devaient pas exister en fait. Ça, c'est mon avis. C'est choquant de voir les peuples africains à se donner à ce genre de pratique, se moquer pour tout et rien. En fait, tout est plat. Mais Crispin Diatta, il a réussi sa vie. C'est un pro. Il touche beaucoup de millions par mois. Il a une super belle femme. Ils feront de jolis enfants. En quoi est-ce qu'il est vilain? Vous qui passez votre temps à vous moquer en commentaire là, mettez vos photos. Comparez-vous à plus beau que vous. Vous allez voir si vous êtes vraiment joli. C'est que du n'importe quoi. Changez vos mentalités. Je profite aussi de cette occasion pour m'excuser auprès du peuple sénégalais parce que ce peuple-là a été vraiment choqué, surtout par le poste de l'artiste Serge Bineau, qui maintient pour dire qu'il n'a pas dit que Crispin Diatta était vilain, mais c'était juste un poste pour titiller ce dernier-là, que c'était rien de méchant. Chose que moi je crois. Donc je viens humblement auprès du peuple sénégalais vous demander pardon, d'oublier cette histoire et de ne pas regarder ces sorciers, ces adeptes du diable qui essaient d'envenimer la situation. Oublions cette histoire-là. Crispin Diatta ne te dis jamais que tu es un vilain homme.
parce que tu es beau à ta manière et tu as trouvé une très belle femme qui t'apprécie à ta juste valeur. C'est l'essentiel. Laisse les frustrés et les aigris se masturber sur toi, truc ta beauté. Tant que celle que tu aimes de tout ton cœur t'apprécie à ta juste valeur, te trouve super beau, c'est l'essentiel. Si ta famille t'aime, c'est l'essentiel. Il faut d'abord s'accepter soi-même. Il faut se dire beau soi-même. Parce que généralement, les appréciations sont hypocrites. Retenez bien cette phrase-là. Généralement, les appréciations sont hypocrites. Je peux voir tout de suite, je vais vous dire vous êtes beau, ou bien vous êtes le plus beau. Mais si je vois quelqu'un que j'estime plus beau que vous, vous n'êtes plus le plus beau. C'est lui le plus beau. J'espère qu'on s'est compris. Ce message, c'était pour Serge Beno, c'était pour Chrétien Diatta, et aussi pour la communauté sénégalaise. Chers Ivoiriens, changeons nos manières de faire. Nous ne sommes pas les plus beaux de l'Afrique. Nous ne sommes pas les plus moqués de l'Afrique. Mais les autres peuples, là, eux, ils pensent à travailler. Voilà, ils pensent à aller de l'avant, que de rester dans ces bassesses sur les réseaux sociaux. J'en ai fini. C'était un peu la réaction des Rito. J'espère que vous a plu. Que Dieu vous bénisse ensemble. On partage au maximum la vidéo. Et beaucoup de max likes si la vidéo vous a plu. On est ensemble. Ciao, ciao.